Alors que le pirate de l'air menaçait de détourner l'avion, le pilote et l'équipage ont réussi à rapatrier l'avion sur Istanbul de façon très professionnelle et en prenant les meilleures précautions. Nous avons pu déterminer qu'il était bien seul dans l'avion, qu'il n'y avait personne d'autre avec lui, qu'il n'y avait pas de bombe dans la soute comme il l'avait prétendu. Nous avons identifié ses bagages et ce qu'il y avait à l'intérieur. Nous avons tout inspecté dans les moindres détails et nous avons travaillé à recueillir des renseignements les plus précis possibles. Pour mener à bien cette opération, nous devons savoir sous l'emprise de quelle substance était le pirate. Est-ce qu'il avait des problèmes? Est-ce qu'il était fou, fébrile? Quel était son profil psychologique? Est-ce qu'il a pris de l'alcool? Est-ce qu'il a pris de l'alcool durant tout le trajet? Nous avons fait toutes ces recherches, mais nous n'avons pas encore les résultats de son taux d'alcoolémie.